Salut tout le monde, c'est du CCPKM67. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo lolilol. Parce qu'il s'agit d'une vidéo Pokéfake. Alors, j'ai reçu ça. Vous nous avez demandé qu'est-ce que c'est. C'est une boîte en métal avec des cartes dedans. Alors, je vais vous montrer vite fait la boîte. Mine de rien, qui est plutôt sympa. Donc, on voit, il y a Pokémon 6, donc Trading Card Game, Black and White, Dragon Exalté. La boîte est vraiment jolie. Bon, le 6 gâche un peu le truc. Sinon, regardez, ils se sont bien fait chier. Donc, on voit le logo Nintendo. Official Nintendo Seal. Ouais, en fait, la boîte était déjà scellée à la base. www.go-pokémon.com, à mon avis le truc qui n'existe pas. Pokémon USA. Donc là, il n'y a rien. Quatre côtés, derrière. Il y a le truc Play Pokémon, Nintendo, un petit descriptif. Les pseudo copyright et tout ça. Voilà, là, c'est du n'importe quoi. Mais la boîte est plutôt franchement c'est sympa. Bon, on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Si elle veut bien s'ouvrir. Voilà. Hop. Alors, c'est les cartes. Déjà vous voyez, je vais les sortir. Moi ça me fait bien rire. Je galère à sortir des pauvres cartes d'un sachet, quoi. Faut arrêter. Donc déjà, les cartes, elles sont pas neuves, comme vous pouvez voir sur les bords. Je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus loin. Ouais, des bords blancs. La couleur est beaucoup plus bleue. Je vais vous prendre une carte, une vraie. Donc, alors, là, je vais vous sortir une de leurs cartes. Comme ça, vous voyez bien la différence. Donc là, vous voyez bien que c'est beaucoup plus bleu. Et que sur cette carte, le Pokémon, il est un peu en orange. Voilà. En plus, la qualité de la carte, je ne sais pas si vous pouvez voir, elle est beaucoup plus fine. Donc celle-là, c'est la fausse. Elle se plie beaucoup plus facilement que la vraie carte. Bon, mine de rien, je vais quand même vous montrer ce qu'il y a. Alors, je sais que la première, c'est une holographique, alors on va bien rire. Oula. Voilà, ça c'est la version holographique des fausses cartes. Et là, on a du BW5. Ouais, BW5. Peu commune, première édition en anglais. Le truc, what the fuck. Ah ouais, bref, ça me fait bien rire. Ensuite, on a un Keldeo qui brille pas du tout. Un bête scan tout pourri. Même pas première édition, rien. On a un Ponchien de Frontières Franchies. Alors, c'est du Dragon Exalté, du Frontières Franchies. Là, on a un Incisache. Du coffre des dragons avec le scan pseudo-holo. Une dresseur. J'ai un peu de mal en fait, j'ai pas assez de recul avec la caméra. Hop. On a un Ronflex. On a un Demeteros. Enfin, un faux Demeteros. Lolilal de Frontières Franchies. On a une carte aspect qui brille pas. Bon, je passe assez rapidement. Mini Draco, de toute façon, c'est des fausses. Bianca en full art qui brille pas. Non, mais oui. Une autre high tech. Encore une pseudo fausse holo.
Ratata. Coffre des dragons. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est trop. C'est trop. Lolilol. Encore du coffre des dragons. Déjà franchi un Togepi. Un Demeteros Full Art. La blague. N'empêche que si on avait des boosters comme ça serait la fête. Qu'un artichaut. Hop. Un Meloetta. Il est censé être holo, je crois. Je sais même plus. Un Draco. Potion. Un Black Urem qui brille pas de frontière franchie. Franchement, c'est du n'importe quoi. Ça m'a fait bien rire. C'est pour ça que je me suis dit, oh, je vous fais une petite vidéo comme ça pour triper avec ce genre de cartes pour pas que vous fassiez avoir. Et voilà la dernière carte. Alors, j'ai encore deux petites choses à vous montrer pour des Poké Fake. Là, je vous mettrai ça plus tard. En tout cas, voilà. En fait, le seul truc intéressant, c'est la boîte. Enfin voilà, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Enfin moi j'ai bien aimé ouvrir ce genre de truc là, tout pourri. Et puis n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire, moi ça me fait toujours plaisir. À vous abonner, c'est gratuit. Et puis allez faire un tour sur ma page Facebook, il y a plein d'infos. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!